Deux suspects en garde à vue à Paris après la découverte ce week-end de 5 bonbonnes de gaz dans une voiture près de l'église de Notre-Dame. Les deux personnes sont connues des services de renseignement. Aucun système de mise à feu n'a été retrouvé, mais les autorités prennent très au sérieux cette affaire compte tenu de la menace d'attentat en France.